Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text. Les gens ne meurent jamais. Cette phrase, prononcée la dernière journée d'une saison 2005 par un lyriste bien inspiré par le maintien historique qu'il venait de réaliser, caractérise assez bien le FC Nantes qu'il a connu. 20 ans au club, 14 ans de Ligue 1 au FC Nantes, 508 matchs pro avec Nantes, 56 buts avec le FC Nantes. Champion de France en 2001, vainqueur de la Coupe de France 1999 et 2000, vainqueur du Trophée des Champions en 1999 et 2001. Une sélection en équipe de France. Voici le palmarès d'un symbole du FC Nantes de Suédo, Denoex. Le football est composé de 11 joueurs égaux, de triangles, de circuits de passe. Attiré par le centre de formation nantais pour sa réputation, entre autres, Nantes avait déjà fait sortir des joueurs tels que Deschamps ou Desailly, son aménagement du temps dans un modèle de sport-études, ainsi que la réputation du club, Frédéric Darrocha arrive au centre de formation de Nantes en 1989, à 15 ans. Une semaine avant un certain Nicolas Savino. Il va apprendre et jouer avec les jeunes nantais 6 ans durant, et être progressivement intégré au groupe professionnel lors de la saison 95-96, lors de laquelle il mettra 2 buts et jouera 11 matchs. Dans une équipe sans superstar et pourtant ultra dominante, qui détient notamment le record d'invincibilité en Ligue 1, avec une série de 32 matchs sans défaite en 1995, il s'intègre parfaitement à cet effectif bien huilé. Réputé infatigable et ayant toujours fait preuve d'abnégation, Darrocha est l'idole des supporters nantais, ayant même eu la chance d'avoir un chant en son honneur. Il prouvera maintes et maintes fois son amour du maillot jaune et vert, en 2007 par exemple, lorsque le club est relégué et qu'il décide de rester, ou encore lorsqu'il refuse la proposition de Liverpool en 2001. Il assistera au sommet ainsi qu'à la descente du club jusqu'au tréfonds de la Ligue 2. S'il est aimé par les supporters ligériens, c'est pour les symboles qu'il représente. Et moi-même, qui n'ai connu que quelques années puisque j'avais 8 ans lorsqu'il a pris sa retraite, connaissais ce joueur. Et petit, il aurait sans doute été dans les premiers joueurs que j'aurais cités. Les symboles du Nantes que l'on aime tous, qui nous manque et qui a inspiré le FC Barcelone. Il finit sa carrière après une année à Boulogne et une en amateur, à la suite d'un désaccord avec Kita. On pouvait d'ailleurs l'entendre sur plusieurs interviews se plaindre de la gestion de Valdemar Kita et qui se désolait notamment du développement du centre de formation qui, il faut bien dire, n'est plus ce qu'il était. Il est aujourd'hui un joueur comme on n'en fait plus ou rarement au centre de formation de Nantes. Effectivement, on arrive toujours à voir des Harit, Veretout ou Rongier sortir de la genelière, mais c'est un toutes les une ou deux générations, lorsque avant ça pouvait être 3, 4, 5, voire plus par génération. Et lors d'un interview donné à l'équipe, il nous montrait une photo de l'équipe du FC Nantes, composée à 95% de joueurs du centre de formation. Cette vidéo est un peu courte car, bien que Darrocha soit une légende de Nantes, est un grand joueur de Nantes, il faut bien le dire, ce n'était pas une superstar. Il n'y a pas d'histoire incroyable à raconter sur lui. Rien d'étincelant, mais un grand joueur tout de même. Si vous avez des propositions de joueurs à traiter, mettez-les dans les commentaires, je regarderai. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fait très plaisir et mettez un petit like, ça nous donne beaucoup de soutien. Je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter et sur Instagram, je mettrai les liens en description. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à vous, et surtout, restez chez vous.